La Côte d'Ivoire est le troisième producteur mondial de mangue après le Pérou et le Brésil. En 2002, la production annuelle de la Côte d'Ivoire était de 100 000 tonnes, ce qui représente une manne financière d'environ 7 milliards de francs CFA. Les grandes régions productrices de mangue sont au nord de notre pays. La crise de 2002 et plusieurs maux comme l'infectation parasitaire des vergers et le manque de recherches scientifiques vont contribuer à affaiblir la filière mangue. L'État de Côte d'Ivoire, tenant compte de la place de ce secteur dans le développement économique des zones de production et des potentialités d'emploi qu'il engendre, veut donner un coup d'accélérateur à la filière en fédérant toutes les énergies pour sa relance. Aujourd'hui, l'État a décidé de relancer la filière mangue avec en tête avant tout la réduction de la pauvreté en milieu rural et que pour les producteurs, ils puissent être encouragés à continuer de produire la mangue en ayant eux-mêmes les moyens de vivre de ce travail. Les producteurs saluent cette initiative qui leur offre l'occasion de sortir des sentiers battus. L'atelier est vraiment bienvenu. Il faudrait que l'État permette à la recherche de chercher les phytosanitaires contre les mouches. Ensuite, faire la transformation de la mangue. L'État a raison de soutenir cette filière qui procure des revenus non seulement aux producteurs, mais aussi à l'État à travers la fiscalité. La rencontre de Korogo a vu la participation des autorités préfectorales des grandes régions productrices de mangue, à savoir le Poro, le Tchologo, la Bagoué et le Kabadougo, des structures d'encadrement du monde agricole telles que le FICA, le CNRA et l'ANADER ont également pris part aux travaux.